Salut à toutes et à tous et bienvenue dans une nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui c'est l'ouverture de la case 8 et 9 de mes calendriers, enfin de mon calendrier d'avant, pardon. Donc hier j'ai carrément zappé d'ouvrir ma case, donc je vais la faire aujourd'hui. Vous aurez qu'une vidéo finalement, enfin une vidéo, vous avez qu'une vidéo à chaque fois, mais je veux dire, vous aurez vraiment l'ouverture entière, c'est-à-dire la 8 et la 9 d'un coup. Bah du coup même le même jour que moi, du coup aujourd'hui j'aurai deux chocolats, voilà. Je sais pas pourquoi mais hier j'ai complètement zappé, je vous assure. Ça m'est revenu que le soir quand j'ai été me coucher et je me suis dit bon bah du coup je l'ouvrirai demain, c'est pas grave. Donc voilà, c'est parti. Du coup nous avons aujourd'hui deux cases, la 8 et la 9. Bah, il me semble que j'ai pas ouvert parce que je la trouve pas la 8. Ah j'ai peut-être ouvert, ah bah non, elle est là. Donc nous avons la 8 qui est là-haut. Et la 9 qui est là. Donc c'est parti, on va commencer par la 8. On va faire quand même dans l'ordre, même si voilà quoi. Donc j'ai la case 1 pour m'aider. Alors là c'est une plaque, donc impossible à deviner. Donc c'est parti, je vais l'attraper, je reviens. Le choix-peau! Le choix-peau! Ah, trop bien. Le petit choix-peau. Voilà, voilà. Et la case 9, elle est là. Donc là, je vais m'aider de la case 3 pour ouvrir la case 9, puisqu'elle est ici. Donc, ah ouais, même c'est impossible. Ah non, bah, je vais passer par la case 7. Tac, voilà. Et encore une plaque. Du coup, bah, je ne sais pas ce que ça va être. Que ça va être encore une fois. Du coup, bah... je reviens. Et là, c'est... ah, le mot... un aigle. Bah, du coup, serre d'aigle. Le motif de serre d'aigle. Voilà, voilà. Donc là, cette fois-ci, je peux vous les montrer en enchaînant d'un coup, en même temps. Donc, la 8 avec le choix-peau. Et puis, bah... la... mince. La 9 avec le serre d'aigle. Voilà, voilà. Bah, du coup... ça fait que aujourd'hui je vais publier ma vidéo et puis du coup bah, demain il n'y aura pas de vidéo. Cette fois-ci je vais essayer de ne pas oublier d'ouvrir ma case, mais vous l'aurez lundi. Voilà. Et du coup bah, j'espère que vous avez des petits chocolats aussi à ouvrir le matin ou des autres petites surprises, hein, pourquoi pas, parce qu'il existe d'autres calendriers de l'Avent. J'avais hésité avec un calendrier de l'Avent avec du thé aussi, mais en fait je me suis dit non, qu'un calendrier de l'Avent finalement. Voilà, qu'un seul et c'est forcément toujours le chocolat. Si je prends un calendrier, si vraiment je dois prendre qu'un calendrier de l'Avent, comme cette année, je prends qu'un calendrier de l'Avent, c'est toujours chocolat. Moi, je privilégie le choco, tout simplement. Donc, maintenant, je vais vous montrer, bah, je vais vous montrer les cases pour demain et après-demain et vous aurez la vidéo lundi. Voilà. Alors, la case 10 et la case 11. La case 10, elle est en bas. Là, ici, en bas. J'essaie de regarder, mais non, je vais pas tricher. J'essaie de regarder par là si c'était une plaque ou pas, mais je vais pas tricher. J'ai l'impression que c'est pas une plaque. J'ai un peu vu, mais bon, voilà quoi. Et la case 11, elle est tout en haut au niveau d'Edwige et des tours. Voilà. Elle est ici, la case 11. Alors, elles font toutes le même diamètre. Hein. Même la case 24, il n'y a pas eu d'effort. Elles font toutes le même diamètre. Donc, sincèrement, je ne sais pas. Je ne sais pas du tout la taille de la case et tout ça. Enfin, je sais. C'est toujours les mêmes chocolats. Donc, soit une plaque comme ça ou comme ça, quoi. Ou soit un petit personnage. Bref. Donc, case 10 et case 11. Voilà, voilà. Donc, ça commence à bien se trouver. Ça y est, on avance. Et oui, 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 on avance, ça y est. Un peu plus d'une semaine maintenant qu'on ouvre les cases des calendriers de l'Avent. Puisque c'était vendredi dernier, vendredi 1er. Et du coup, un peu plus d'une semaine maintenant, puisqu'on est samedi 9 décembre. Voilà, voilà. Donc, je vais maintenant clôturer la vidéo et vous retrouver dans 2 jours pour la case 10 et 11. Voilà, voilà. Donc j'espère que la vidéo vous aura plu, si c'est le cas n'hésitez pas à me le faire savoir en mettant des pouces bleus, des commentaires, ça me ferait super plaisir. Et en attendant de se retrouver lundi, je vous fais d'énormes bisous, je vous dis bon week-end du coup, et à lundi. Bye !